Salut mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Hendrik au Barça. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche des notifications. Ça reste, c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et on est parti pour parler de l'arrivée d'Hendrik au Barça. Courtisé par le Real Madrid depuis plusieurs semaines, la pépite brésilienne de Palmeiras, Hendrik fait tourner la tête de plusieurs grandes écuries européennes, notamment lors du dernier mercato hivernal 2022. Et si le jeune prospect de 15 ans avait dévoilé sa préférence pour la Maison Blanche, il y a également avoué dans un entretien accordé à Sport que le FC Barcelone pouvait être une option dans sa carrière étant donné la belle histoire qui lie le club Blaugrana et les footballeurs brésiliens. Selon les dernières informations de la presse espagnole, Hendrik a ouvert la porte au Barça. Le Brésilien de 15 ans, promis un grand avenir, a accordé une interview à Sport où il a dévoilé qu'il pourrait s'engager très prochainement avec le FC Barcelone. Le jeune joueur brésilien Hendrik n'a encore jamais évolué en professionnel avec Palmeiras, mais en tant que grand espoir attire les convoitises. Alors qu'il a révélé il y a un peu plus d'un an qu'il était intéressé par un éventuel transfert au Real Madrid, le talent brésilien a évoqué cette fois-ci le FC Barcelone. Je cite, c'est un club où sont passés de nombreux joueurs qui nous inspirent, nous les jeunes comme Neymar Junior, Ronaldo le Brésilien, Rivaldo, Romario et Ronaldinho. Tous les garçons qui veulent jouer à l'étranger pensent au Barça à cause de Neymar Junior. Et car il est de notre génération, si un jour le moment de partir arrive, peut-être que le Barça pourrait être une option. Oui, c'est peut-être mon style, mais j'essaye de m'adapter à tout le monde avec un style de jeu plus tranchant ou tiki-taka. Le Barça est une très bonne équipe. En 2015, ils ont remporté la Ligue des Champions avec Xavi et Andrés Iniesta et la MSN. Léo Messi, Luis Suarez et Neymar en attaque. C'est une équipe spectaculaire comme on en verra très rarement. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que selon toi, l'arrivée d'Hendrik au Barça est une bonne idée? Ou est-ce que d'après toi, l'arrivée d'Hendrik à Barcelone est une très mauvaise idée? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche de notification. Ça reste, c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et salut, à la prochaine.